Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 41e épisode sur Oxygen Not Included, saison 3. Alors, on a un peu régulé les petits problèmes d'électricité. J'espère qu'il n'y aura plus autant de casse au niveau de l'électricité. Ça devrait tourner. Lui, on peut le désactiver maintenant. Le générateur manuel. Parce que maintenant, ben non, il y a encore un problème de courant. Comment ça se fait? Ah ouais, c'est la partie sud ici qui a encore des problèmes de courant. Mais pour ça, on a mis un petit générateur ici manuel qui va permettre de délivrer un peu le courant pour faire fonctionner les pompes et faire tourner tout ça. Là, notre seul problème, c'est le courant. Ça m'ennuie toujours ce transformateur de courant. Est-ce qu'il fonctionne réellement ou pas? Ça, c'est ma grosse interrogation. Et surtout, comment on pourrait faire ça? Vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on peut pas mettre de tuiles quand il y a un grand câble. Et j'ai besoin de ce grand câble qui passe d'ici à ici pour transformer donc mon courant. Là, c'est encore le gros problème. Je sais pas du tout comment je vais faire. Va d'abord voir, hein. On va d'abord essayer de régler le problème. Voilà, on va laisser. Ils vont réparer au fur et à mesure. Et ici, on a mis des tuiles. Parce qu'on va y placer des plantes. Pour enlever le CO2 ici, qui est trop présent ici, qui va bloquer la progression. Alors, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'elles sont ces plantes? Ici, voilà. Une et deux. Là, ça construit aussi, donc ça c'est bon. Lui, on peut l'enlever. L'abyssalite, parce que ça va prendre trop de temps à creuser. Évidemment, comme on a pas assez de personnes, regardez, tout est là. Et il n'y a rien qui est harvest. On va en mettre une troisième personne à ces tâches-là. Voilà. Y a que deux tables. Tiens. Non, ça va. Je vais désactiver ces bâtiments-ci de nourriture, donc parce qu'on n'a pas assez. Déjà, on n'a pas assez de courant, et de deux, comme on n'a plus de terre ou de boue. On ne sait plus faire à manger, donc ça sert à rien de les laisser là. Alors ici, ça va par contre être très contraignant. Si je trouve pas une solution, parce que celle-ci et celle-ci, elles font sortir de l'eau polluée. Et c'est bien là mon problème. Elle est en... Non, elle est pas en neuf, donc ce serait peut-être bien de la mettre en neuf. Pourrait éventuellement creuser ici, mais ça ferait que tout l'hydrogène qui est ici monterait. Peut-être pas le meilleur plan, quoique ça monterait ici, et puis ce serait peut-être sur un malentendu, ce serait pompé par la pompe qui est quand même assez loin, mais bon, c'est pas, on verra. Faut toujours espérer. Ça, on va l'enlever. Quelle priorité? Elles sont à 9, ok. Ça va creuser. Non, on peut pas creuser ici, c'est pas grave, on va l'annuler. Ah, il y a une tuile qui est construite là. Va nous permettre de faire la suite ici. Et donc... On a plus d'eau. Ah. Il y a plus d'eau, il y a plus d'eau. Pourquoi il y a plus d'eau ici? Il n'y a plus d'électricité, voilà. Pour notre petit problème d'électricité, hein, qui nous mine. Par contre, je vais essayer. On va relier ça à là. Ça devrait le faire. Et alors, au pire des cas, on supprimerait ici peut-être un peu plus bas pour dire que toute cette zone-ci fonctionne quand même. Parce que...
Il y a quand même une, deux, un filtre, donc deux pompes, un filtre, deux électrolyseurs et quelques électrolyseurs en bas qui pourraient fonctionner grâce à ça. Bon, ça devrait normalement être gérable. C'est pas ça qui va prendre énormément de courant, enfin je l'espère. En tout cas, je pense qu'on a réglé aussi notre problème de courant, de voltage. Voilà, liquid pipe, ok. Il faut juste le gaz, le liquid vent ici et ça devrait être bon. Voilà, ça va le construire et donc on aura l'évacuation de l'eau sale ici. Ça devrait le faire. Vas-y, construis-le. Oh, il n'a pas terminé. Ouais, enfin, elle n'a pas terminé, Catalina. Voilà. Allez, vas-y, termine-moi ça. Et voilà. Et on verra si ça a porté ses fruits. C'est parfait, c'est bon. On a l'évacuation de l'eau. De l'eau sale qui peut se faire désormais. Ok. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est de penser rapidement, quand même, à agrandir ici cette fosse, si on peut se permettre d'utiliser ce terme-là. Ah, ici en neuf. Et je pense qu'on va quand même faire en creuser ici en neuf. Ah, on va mettre cette porte à 5. Je vois pas pourquoi elle est à 9. Ça servirait à rien de mettre une priorité là-dessus. Alors, 20 000 kilocalories, c'est bon. On a fermé cette porte aussi parce que pour le moment, toute cette partie-ci n'est. C'est impossible de la gérer pour le moment avec le peu de personnes qu'on a. Alors, les batteries sont pleines. Où est-ce que j'ai fait construire? Faut que je le mette à 9. Voilà. Normalement, on devrait avoir une amélioration. Ah ouais, là, ça a creusé. Ça, c'est bien, ça. Ok. Là, on a de l'algue. Ok, donc on est toujours à combien? On est à 2 tonnes d'algues. Ok. On a géré le problème. On a de retour un peu d'algues pour refaire fonctionner tout ça. Carbone de dioxyde, c'est bon. Alors, on a un pont là qui se prend des dégâts de surcharge, alors qu'il ne devrait pas. Si, je confirme, on est à plus de 10 000 watts, alors qu'on peut en accueillir que 10 500. C'est là le problème de surcharge. Alors, ça on regardera peut-être plus tard. Regardera ça plus tard, c'est pas encore urgent en soi. Alors là, on a de l'hydrogène. Tout a l'air de refonctionner. En espérant qu'il n'y ait pas de surcharge. Il y en a. C'est bien là, là le problème. Ok. Donc en reconnectant la partie comme je l'ai fait, on amène une surcharge. Donc, il va falloir trouver un moyen. Trouver un moyen pour limiter comment dire, la consommation d'électricité. Là, on peut le désactiver aussi ou mettre sur 7. Catalina. Voilà, on peut enlever ça. Alors, on n'en a pas fini avec cette électricité qui nous pose des problèmes. Électricité, comment on pourrait gérer le problème? Donc on est à plus de 10 000, c'est bien ça. Ah, destructeur, on va pas le prendre, c'est trop dangereux. Destructeur aussi, bon bah finalement on va prendre celui-ci. Hein. Alors. Je regarde quelle partie je pourrais couper par rapport à l'autre. J'avais dit que j'allais couper un peu plus bas. Là, ça fait trop. C'est ici que j'avais. Ouais. Donc, on va couper un peu plus bas, simplement. Genre ici. Espérant ne pas faire une grosse boulette. Normalement, ça devrait être bon. Ok, donc on a tous nos générateurs qui fonctionnent.
Ok. Je pense qu'on a réglé le problème d'électricité. C'est une bonne chose en soi. Et maintenant, on va laisser la colonie se débrouiller un petit peu par elle-même et reprendre un peu tous ses droits. Et la pompe. Là, c'est bon. Va peut-être mettre construction en neuf ici pour qu'on puisse changer le dioxyde de carbone en oxygène. Ça délivre. Lui, on peut le cancel. Lui, on en aura besoin pour monter. Voilà. Et ici. Ok. Ça ne pompe pas. Pourquoi? Je vais peut-être devoir mettre une valve ici pour baisser la pression et laisser peut-être cette partie-ci venir. Je peux voir que tout est bloqué ici. Attendez, donc là ça part. Attendez, hein. Ah non, c'est bloqué pour ça ici. Voilà, c'est là le problème. Ok, d'accord. Comment on va essayer de trouver une solution à ça. Ils ont su construire le liquid vent ici, mais ils peuvent pas construire le dernier raccord ici. Ouais, c'est pas atteignable. Ça va être compliqué, ça. Ouais, ça va être très compliqué d'atteindre ça. Je sais pas comment on va faire. Tiens, il y a deux retours de l'overload damage. Bon, tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que ça ici, ce soit constamment, ce soit bon. Peut-être mettre un ou deux terrariums. Ce soit bon aussi, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Bon, les batteries, ça a l'air d'aller. Celles-là, elles vont aussi, celles-là aussi, mais on a de l'overload damage encore et toujours. Alors, comment on va faire ça? On en a déjà beaucoup moins que précédemment, donc ça c'est déjà une bonne chose. Heureusement d'ailleurs. Alors, les terrariums sont construits. La limite, j'ai envie de dire qu'on peut annuler ça. Ici, la construction des dalles. Alors, H. Dans combien de temps on a un nouveau duplicant? Dans un cycle et demi. Ok, bon. Alors, on a pas mal d'oxygène pollué aussi maintenant, parce qu'on a tout laissé l'eau ici, l'eau polluée au sol, donc ce serait peut-être bien d'essayer de trouver une solution aussi à ce problème. Alors ici on a un autre problème. On va le mettre en neuf. On va cancel la partie ici, comme ça on va pouvoir creuser, continuer à creuser ici, et puis partir avec une échelle et creuser ici pour vider tout l'eau qui est dans ce fameux bassin qui nous a déjà posé pas mal de problèmes. Regardez, il y a au moins 4, 5. Ouais, mais en fait, il y a une dizaine de morts là. Donc, chaque fois, ils ont voulu aller là et il y a des problèmes. Alors, on a un problème de courant ici. C'est assez bizarre d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on a des gens qui réparent? Ouais. On a des gens qui réparent, mais
Alors Bubbles qui vient d'arriver, elle pourrait éventuellement creuser et... Ouais non, construire, elle est vraiment pas apte à ça. Mopé, non, de la maintenance, elle peut pas non plus. À essayer de lui donner un peu plus de tâches. Là non plus, faire le compost. Allez, on va laisser comme ça. Et après, quand on aura un peu plus de personnes, peut-être une ou deux en plus, on commencera à réaffecter les gens au massage. Ok, body température, ça c'est bon. Là, on a encore des champignons qui sont sous gaz naturel, donc forcément, c'est pas bon. Ah, Bubbles, elle creuse. Merci. Voilà, c'est bon, on va laisser faire. Je vais mettre tous mes champignons à 5 ici, parce que de toute façon, pour le moment, on a aucune chance pour le moment de les voir pousser à cause du gaz. Ok, on commence à gérer le bazar. Ah, on a creusé ici et donc l'eau s'écoule. Ça, c'est une bonne chose. Ça se construit au final. On commence à revoir un peu la colonie qui rebouge. Qu'on était, je vais pas dire à l'arrêt, mais quasi à l'arrêt, hein. Et les grosses batteries, elles sont pleines. Là aussi, il n'y a que celles-ci qui sont vides. Alors, non. Eh bien, si, j'avais oublié de mettre un câble. C'est très bête. Parce que du coup, toute cette partie-ci n'a pas de courant pour fonctionner. Ce qui est au final pas normal. Ah ouais, parce que les batteries sont en bout de course en fait. La production ici et le stockage d'énergie est là. Pourtant, c'est juste l'un à côté de l'autre, mais dans mon circuit, il y a quand même beaucoup de choses qui prennent de l'énergie avant. Ok, bon. Donc, ouais. Regardez ici. La gas pipe est plein à ras-bord. Il peut rien prendre parce qu'il n'y a rien qui prend. Ah, ici les mesh tiles, j'ai mis ça en 9. Ok, comme ça l'eau elle va directement tomber ici. Bon, on a toujours de la nourriture, heureusement. Pour 5 personnes, ça suffit. On va mettre une personne en plus. On va commencer à mettre une personne pour le massage. À mon avis qu'elle va pas se priver, hein. Ouais, enfin, elle va pas se priver, elle a pas de courant non plus pour le faire, hein, donc énorme problème. Allez, ici le wire en 9 et ce sera bon. Ah non, j'ai cru qu'elle venait. Ok. Vas-y. Ah, ça a été délivré, mais c'est toujours pas construit. Et là par contre, on a des problèmes de nourriture. Et pourtant... Hop. On a Travaldo qui va s'occuper que de ça. S'il veut bien. Travaldo, ouais, voilà. Voilà. Et une nouvelle personne. Ouh là là. Ah, pas des flèches, hein. Bon, on peut prendre la technicienne ici, niveau 11, les rats. Allez, hop. Verra bien. Et celle-ci, donc ce transformateur là ici, malgré qu'il n'y ait pas de fondation, il a l'air de fonctionner. Bon, c'est encore à vérifier parce que pour le moment rien ne va, mais... Ou alors c'est peut-être lui qui pose problème. Ah, c'est peut-être ça. Au final, que j'ai pas de courant dans cette zone-ci. Oh là là, c'est compliqué, hein, les amis. Alors il va falloir que je m'y attelle. J'ai aucune idée comment je vais le faire.
Ou alors je tire ça et je le fais passer comme ça. Ouais. Je pense que j'aurais pas 36 solutions. Alors, regardons. Déconstruire. Power wire. Ok. Alors. Pas tirer la tile. On va y mettre une ladder. Ah, attendez. On va remettre en normal. Voilà. La tile qui est là. On va la déconstruire en 9. Voilà. Ok. Et maintenant, on va pouvoir mettre un gros câble de courant ici. Ah ben finalement, on a peut-être trouvé notre solution. Je suis même pas sûr. Comment je pourrais... Ou alors... Je vais devoir faire un pont qui fasse passer au-dessus du tile. Ouais. Pas trouver une solution. Comme ça. Ou pas. Alors pourquoi il veut pas le faire? J'étais en pause et que c'est ça qui pose problème. Là, voilà. Et on va le mettre comme ça. Et comme ça, on n'a pas trop le choix. Soit. Cancel build. Et cancel build. Voilà. Et ici on va mettre. On va remettre la tile que j'ai détruite, la dalle. On va y mettre. Les priorités en 9. Voilà. Ça devrait aller. On a encore pas mal de gens stressés, mais finalement, là par contre, ça m'ennuie. Comment je pourrais faire ça? Je vais déconstruire la dalle ici. Et je vais faire construire une échelle ici. Comme ça après je pourrais creuser et agrandir ici la place pour ce récepteur d'eau sale. Et après on avisera comment on va faire. Parce que je vous avoue que pour le moment je suis un peu bloqué. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon là on a toujours de l'eau sale, non? Non, il n'y a plus d'eau sale qui arrive. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il voudrait pas repartir par là des fois? Est-ce qu'il y aurait pas un conflit ici? Ok. Donc, il faudrait que je déconstruis ici. Voilà. Alors, attendez. Est-ce que j'ai réglé le problème? Je ne crois pas. Bon après je peux très bien faire partir mon eau ici. Ouais je me complique la tâche en fait. Déconstruire ça, déconstruire ça. Et au pire des cas on refera un disable. Non. Voilà, hop. Voilà. Et on va refaire taper des câbles d'eau ici. Au final, je me casse la tête pour essayer de le faire partir ici, mais il pourrait très bien tomber ici, l'eau. Hein. Après tout. Ouais. Voilà, on va la mettre ici. Le liquid vent. Et là on va annuler la construction et là aussi. Voilà. Et c'est la nuit. Ok. Pour le moment c'est unreachable build, mais c'est logique. On va laisser. On a assez de nourriture pour tout le monde pour le moment. Donc ça c'est bon. Et là on a toujours ce problème d'électricité. Lui on va le mettre en 9. Il faut quelqu'un qui vienne pédaler ici. Et bien sûr, on n'a plus personne qui viendra le faire. Hein.
J'en ai affecté un, on verra. Si ça va relancer l'économie. Enfin, en tout cas, ce truc-là. Il y a de quoi faire de l'électricité, mais il n'y a personne pour activer les pompes. Et bien sûr, pour activer les pompes, il faut quelqu'un dedans. Hein? Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Hein? Non, plus. Ils passent tous à côté. Hein. Ils doivent commencer à faire des kilomètres, hein, les cocos. Et ça délivre de l'eau. Là aussi, c'est bien. Ok, bon, là c'est bon. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pédale, au moins? Non. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui construit? Alors on va se poser la question quand même. Ouais, il y a quand même une paire de personnes qui construisent. Les rats, on va tout enlever ce qu'elle est occupée de faire. Elle peut pas construire. Ok. Elle va réparer et faire de la maintenance. Et on va enlever ça à Hassan. Parce que c'est quand même elle qui est plus apte à le faire. On va laisser faire. Voilà. Hop. Ah, le dernier ici. Allez, vas-y. Voilà. On devrait normalement avoir du courant. Allez, c'est parti. Alors, Lera, est-ce qu'elle va pédaler? Non plus. Il faudrait juste quelqu'un là-dedans. Hein. Et... atmosphère, ok. Faudrait trouver un moyen de pomper ça ici, cet air. Compliqué. Ouais, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gaz naturel, en fait. Beaucoup trop. En fait, il s'échappe ici et il descend, tranquillement. Vous voyez par les mesh tiles que j'avais au préalablement déjà construit. Hein. Donc j'avais pensé pour faire passer l'eau et pas être embêté par celle-ci. Et finalement, c'est le gaz qui s'échappe. Des cas, rien n'empêche que je mette une pompe ici et que je refasse partir directement par ici. Ça fait encore une fois des câbles, du courant, j'aime pas trop ça. Voilà, là il y a de l'eau propre, c'est bon. Si un petit bout de temps, j'aurai une piscine géante ici. Ah, le gaz, attention, il descend. Et alors on va mettre une paire de choses en neuf, évidemment. Hein. Là, en neuf. Comme ça, on pourra déjà agrandir ce truc d'eau. Ok. Au niveau de l'oxygène, on en est où? Ça va. Ça pourrait être pire. Mais c'est bien, finalement. C'est une bonne chose. On garde malheureusement 100% de stress pour certains, mais l'immunité, elle, par contre, elle est à 100%, donc ça, c'est impeccable. Ok, on va laisser faire. Ça veut construire, ça prend de l'amalgame. On va les laisser faire. Voilà, ça répare, ok. Comment je vais faire ça? De toute façon, il va falloir à un moment ou à un autre que je m'occupe de cette problématique ici de gaz. Route en neuf. Tant pis, on va encore perdre un espace pour les champignons, mais on n'a pas le choix. C'est ça ou rien. Alors ici, on a un problème de surtension. Bien sûr, évidemment. Que j'ai gardé les anciens câbles en neuf. On va déconstruire en neuf. On va déconstruire. On va déconstruire en neuf. Voilà. Et on va remettre des gros câbles.
Voilà. Et bien sûr les gros câbles en neuf aussi parce que sinon on va avoir des problèmes. Ok. Alors ici c'est bon. Est-ce qu'on est capable de mettre une pompe ici? Oui. Alors, le courant, ça tombe bien, il est juste à côté. Par contre, le gaz, ça va être autre chose. Il va falloir taper un câble, enfin un tuyau de gaz. Et c'est là où on a un paquet de nœuds. Et lequel est lequel, désormais? Je crois que ça, ici, c'est pour une entrée de gaz. Alors, attendez. C'est bien ça, ouais. Il y a du gaz qui s'échappe ici. On va déjà le faire construire. On va déjà gagner du temps. Et c'est ici que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour le prochain. Merci à tous. Bye bye.